told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Take it from me, cause I got to this place where no one can tell me to do anything. I call my own shots, I call my own place. I enjoy my life almost every day. And I can teach you if you listen to me. You follow some rules, don't need gifts to be paid. Persistence is better than brains any day. Just listen to me and I'll show you the way. Feel there's something empty. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur GTA Online. Donc les gars, comme d'habitude, on va commencer par aller faire les caisses de la caisse de Gérald, de la planque, etc. Et aujourd'hui les gars, on va acheter un nouveau business, on va acheter l'atelier auto parce qu'il est en promo à moins 30 et que les contrats de sécurité les gars sont en x3. Oui, x3, c'est juste énorme, donc on va en profiter. Mais bon, comme je vous disais, comme d'habitude, on va commencer par faire... Alors je vais pas aller faire le coffre de l'épave aujourd'hui, j'ai un petit peu la flemme. Mais on va commencer par faire ben, le casino, la cage de Gérald et la planque. Ça sera vite fait. Allez, on va commencer par tourner la roue, les gars. Hop, en espérant qu'on ait un bon truc et pas un t-shirt. Hein, parce que depuis le début de cette carrière, les gars, on va pas se mentir, on n'a pas été gâtés. Enfin, si, on a eu une fois 40 000 $. Et bien sûr, encore un t-shirt, voilà. Bienvenue chez Kaya, les gars. Le mec qui a le plus de chance au monde. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc en tant que... Bon, c'est pas très grave. Allez, on enchaîne. Hop, bon, la cage de Gérald, elle est là. Bam, 16 000 $. En cas, munitions. Alors, on a aussi le flair, là. Donc, ça, je l'ai jamais fait, les gars. On va voir vite fait si ça vaut le coup. Ok, on a trouvé le deuxième. Le troisième, il est pas loin aussi. Donc là, on va monter sur le château d'eau. Je suppose que c'est un château d'eau, ça sert à rien. Voilà. Ah, la chute a été dure. Après, il faut aller en face. Allez, prends, on se casse là. Et ça m'a fait gagner 2000 RP et 25 000 $. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Par contre, on a les flics maintenant, plus deux hélicoptères au cul. La planque, elle est où? Oh, la planque, elle est super loin. C'est cool. Wouah, ce vol! C'est pas une bagnole, c'est un avion, mon truc. Ah, plus qu'un. Ah merde. Voilà. Allez, on est encore un. Voilà. Allez, la planque c'est fait, les gars. Juste falloir faire gaffe en sortant parce qu'il va y avoir du people. Voilà, c'est fait. Donc, c'est mon labo d'acide qui a été rempli. Ça, c'est bien. Donc, peut-être que le fait que j'ai fermé la coque, peut-être que ça a marché. On verra. On va la laisser fermer parce que de toute façon, cette semaine, on va faire de l'atelier auto. Et on essaiera du coup de voir si ça recharge l'atelier d'acide à chaque fois, enfin, le labo d'acide à chaque fois, si la coque est fermée. Et ça serait vraiment quelque chose de bien. Alors avant de changer de session les gars, on va faire venir le labo d'acide pour pouvoir mettre l'amélioration de vitesse, hein. Accélérer la production de l'acide. Alors franchement les gars, je vais vous dire un truc, autant la Virtus c'était super comme premier véhicule parce que... Elle coûte rien, que c'est une super sportive, donc on l'a gratuitement et tout. Mais honnêtement, dès qu'on est dans les champs et tout, ça tourne pas, ça patine, ça part en vrille. Ça freine pas énormément non plus. Franchement, ça me tarde de la changer aussi, je vous avoue. Elle était bien, mais là honnêtement, je commence à en avoir soupé. Allez, on accélère les gars. Et après, direct, on va changer de session, ou alors on va acheter là maintenant. On va acheter maintenant peut-être. J'ai envie de mettre un espace personnel dans mon atelier auto, histoire de pouvoir spawn dedans. Hop, ça doit être là, si je me souviens bien. Yes. Yes, yes, yes. Donc on a... Ouais, j'aurais bien aimé prendre ces trois-là. Lui, on va le changer, les gars, parce qu'il marche pas, c'est bugué. Pour le moment, on va acheter l'atelier auto. 1 200 000. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. En plus, il n'y a pas d'atelier auto de ce côté, c'est nul. Les autres sont à combien? Ouais, il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, allez, on prend celui-là, les gars.
Mais du coup, on prend rien d'autre parce qu'on a pas assez d'argent. Là, si, on va peut-être prendre la carte de membre. 50 000 dollars. 1 300 000. Bon, les gars, on n'aura plus d'argent après. Comme d'hab. Voilà. Le Kikou MK2. C'est pas très grave. Où je suis maintenant? Ah ouais, il m'a fait pop super loin. Ok, donc les gars, maintenant il faut aller chercher la bagnole de Cessenta. Pas de très très grosses difficultés, mais bon. Faut le faire quand même, il y a pas mal de flics quand même. Faut quand même faire un petit peu attention. Mais bon, ça passe quand même, hein. Bon, j'y suis peut-être allé un peu comme un bourrin, les gars. On va essayer d'y aller un petit peu plus... un petit peu plus calme. Ok. Il en reste de ce côté-là. Voilà. Pour un là. Voilà. Il n'y a plus qu'à prendre la bagnole et se barrer. Par contre, ouais, là, les flics, pour les semer, je vous dis pas. Une people qu'il y a. Pardon, excusez-moi. Je ne fais que passer. Ah ouais, mais là-bas, il y a les deux mecs en vert, là. Ils vont me casser les couilles, c'est sûr. Il faut que je me méfie des flics, que je me méfie des joueurs. Je vais faire ça, tiens. Je vais appeler Lester. Et je vais me mettre hors radar aussi. Parce que les deux autres en vert, là, regardez, avec leur... Ils ont que des véhicules de Kikou. Hello. What can I do for you? I can do it briefly. Voilà. Invisible radar, les gars, pendant 55 secondes. Ça va peut-être nous permettre de perdre les flics déjà, ce serait bien. Voilà, c'est bon. Donc là, il me reste 40 secondes pour aller jusqu'au mon atelier auto. Ça devrait le faire. Et voilà, terminos. Ok, les gars, donc ça y est, on a le tableau qui est prêt. Ferme ta gueule, c'est Senta, tu commences pas à saouler là d'entrée. Donc, ah ouais, on n'a pas le tableau de véhicule exotique encore. Faut faire un contrat avant, je pense. Bon, on va faire ce contrat, les gars. Qu'est-ce qu'on a? 546 000. Allez, je prends. Ok, bon, les gars, je suis assez content parce que le premier contrat, c'est un contrat que j'aime beaucoup. C'est le contrat de l'IA, là. Il faut rentrer dans les bâtiments de l'IA. Ça, c'est cool. Bon, en tout cas, on a Cancer numéro 1 qui est parti, qui a quitté la session, les gars. Déjà, ça, c'est pas mal. Bah ouais, parce que là il est 20h30, à mon avis c'est l'heure d'aller au lit, hein. Normal, hein. Parce que à mon avis ça doit être un bon gros gosse. Bref, allez, on est parti les gars. Première mission de préparation, repérer l'entrée de l'agence de l'IA. Donc on va essayer de passer par les tunnels. C'est pas, la prépa est pas très longue, pas trop dure à faire. Ça pose pas de soucis. Une mine. Putain de merde. De session cancer les gars, quoi. Oh putain. Big moves, I'm that dude. Bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. Yeah, c'est quoi? Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. And I can't be sure, cause I ain't no... Faire dans le détail. Now I teach how to cook them beats like look, making things look good. I just want you... Ouais, c'est ça. Hop, appareil photo. Got that record all alone, like lonely, yeah. I'm just sick of waiting cause I feel this frustrating when I always put the hours in. But ain't nobody wanna recognize independence, it threatens their continent. So I chase that bag, trophies are dope but I'd rather have cash. Sitting in the bank cause I paid my tax. Living my life, my way, my path, I go. Voilà, donc l'entrée de la base de l'IA, les gars, elle va se faire dans l'entrée du métro. Hop, hop. La scène de contrat est plus rigolo à faire. Alors par contre, avec la virtu là-dedans, voilà, ce qui me semblait, ça va être l'enfer. T'es sûr les gars que ça allait être l'enfer avec cette caisse ici là. Parce qu'alors la virtu elle est bien les gars, mais putain qu'est-ce qu'elle glisse. Ok, on est arrivé. Donc là il faut qu'on prenne une photo de l'entrée. L'entrée elle est juste là les gars. On envoie à Cessenta. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Il n'y a plus qu'à retourner à l'atelier auto. Voilà, donc on a pris 10 000 balles pour la mission. Ah non, 15 000.
On a pris 15 000 pour la mission de prépa. Donc là, les gars, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut rentrer, faut tout simplement rentrer à l'atelier auto et lancer la deuxième prépa. Allez, maintenant, il faut qu'on aille chercher un pass de sécurité. Alors là, les gars, il y a du... là, il y a du people. Donc, on va pas trop hésiter. Oh, mais putain, mais d'où? Putain, je les ai pas vus arriver, les autres, en bagnole. Ah, ça m'a remis à 20 bornes. Oh, mais ça revient de suite, quoi. On est quand même un petit peu, les mecs. Ok, ça c'est bon. Merde, il se barre. Vite. Oh putain, des hélicos. Là, faut très très vite l'intercepter parce que sinon il se barre à l'autre bout de là. On appelle l'agent de l'IA, là, les gars. Merde, il est pas mort. Oh putain. Voilà. Voilà, c'est bon, on a pris le pass, les gars. C'était pas hyper catholique, mais bon, ça marche. Maintenant, on n'a plus qu'à rentrer à l'atelier auto. Par contre, les gars, je vous le dis, premier truc que je fais avec l'argent que je gagne avec l'atelier auto, c'est de me prendre une bagnole. Hein, parce que je vous assure que, franchement, ce truc-là, la virtue, elle commence à vraiment me saouler. Non, non, je suis coincé dans un écran noir, mais non, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Voilà, donc j'ai été obligé de glitcher la session. Bon, les gars, j'ai été obligé de glitcher la session. Bon, de toute façon, on s'en fout parce que la dernière partie, là, ça se fait en solo, en activité, quoi. Donc, de toute façon, on s'en bat les steaks de pas être en session pleine. Pensez bien à prendre la bonne arme. Moi, je prends le bull pump parce que je trouve qu'il est bien. Après, chacun voit ce qu'il veut. Il y a le shotgun, il y a pas mal de trucs. Moi, je pars avec ça. Ok, donc là, les gars, on va mettre la voiture en position pour se barrer. Et allez, c'est parti. Alors là, les gars, attention, parce que dès que vous allez rentrer, ça va être une grosse fusillade. Là, vous voyez, la vie, elle descend très vite, faut faire attention. Oh la vache. Ouais, on prend tarif, hein, voilà, je vous dis. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting posterized. We out here making posters. And we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub. Or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up. Rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop. Oh, mais... Je me rappelais pas qu'il y avait autant de monde. Voilà. Ok. Là, on prend du monde. You close? As soon as you get in there, hang up and call K, ok. Voilà, c'est bon, le câble. C'est passé, les gars. Ensuite. Voilà, il y a encore une cinématique, hein, les gars. On est reparti, dans l'autre sens. Oh putain. Là ça va être tendu les gars parce que ça va arriver des deux côtés. En face et derrière. On va faire attention. Ça va être ton axe.
Allez, sors, sors, sors. Voilà, tiens. Ah. Ok. Allez, impeccable, on se casse. Ah, on prend la bagnole. Buckle up, yo. Get your foot on the gas, get the hell above ground, and then lose them. We're gonna show these fools what a response time is. Hop, 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 il flique. Oh, bah ouais, non, mais. Ils sont mignons. Oh, il m'a pas vu. On va se mettre là, les gars. Hein. Espérant qu'on les perde assez vite. Allez, 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 allez. Ah, il y a l'hélico qui arrive et tout, là. Ah, mais ils durent combien de temps, les flics, là, ce putain de truc, là. Heureusement que je suis sorti, hein. Ah, et c'est plus long qu'en mode libre, là, pour perdre les flics, hein, les gars. On va faire attention. C'est bon, ça c'est fait. On n'a plus qu'à aller chercher la recette. Hop, voilà, la recette, bah, elle est là. Impeccable. Facile à repérer, les gars, il y a une pelle à côté à chaque fois. Ah, bah, il y a une pelle. Ah, oui, je l'ai, c'est Center. Ta voiture a pris un peu cher. Hein. On veut pas. Ouais, il faut une demi-heure pour faire la mission, en gros, les gars. 15 minutes pour les prépas et 15 minutes pour le contrat. Donc, une demi-heure, 500 000 balles, ça va. Franchement, on va pas se plaindre. 491 000, ouais. Franchement, c'est cool. Oh, putain, une session avec des MK2 partout, les gars. Oh, putain. Plus 75 000 $, hein. C'est quoi, ça, on est, ça. Ah, ouais. Putain, il faut que je mette les sous sur le compte, là. Parce que, là, vu que c'est plein de kikou. Hop. Ok, donc on est remonté à 837 000. Ah oui, on a eu 75 000 de bonus parce que c'est la première fois qu'on faisait le contrôle. Ok. Bon, on va s'en faire un deuxième, les gars. Parce que franchement, ben, les contrats, c'est cool. Hein. Moi, c'est un de mes trucs préférés. Moi, j'étais là, les contrats de l'atelier auto. Je trouve qu'ils sont bien foutus. Ils sont assez durs. Quand vous les faites tout seul, ils sont assez durs. Et du coup, ça les rend plutôt intéressants. D'ailleurs, il va falloir que je pense à acheter des encas, les gars, parce qu'à mon avis, il ne doit plus m'en rester beaucoup. Avec tout ce que j'ai cramé. Donc, ce que vous avez vu sur le tableau, en bas à droite, on a le nombre d'argent qu'on a gagné. En haut à droite, le nombre de contrats qu'on a complété. Alors, certainement que j'en ferai, les gars, j'en ferai certainement un petit peu en off aussi. On va faire celui-là, 900 000, les gars, vas-y. Allez, let's go. Bonjour. Tiens, regarde mon identifiant, voilà. Hein, hein. C'est bon, je viens juste voler ton coffre. Ça m'a branlé. C'est pas le tien alors, tu vas se traîner. On remplit le sac. Oh, le bruit des lingots, les gars. C'est tellement satisfaisant. Oh putain. Elle s'y attendait pas du tout. Voilà, rien que ça, c'est tout. Ok. Alors là, il faut faire attention, les gars, on peut avoir du spawn dans le dos. Ouais, je parle pas trop là, il faut que je sois plus concentré, les gars. Voilà. Okay. Et ensuite, il y en a un dernier qui doit être caché derrière le camion. Voilà, là normalement je vais avoir des militaires qui doivent arriver. Voilà, j'hygiène. Je me fais tirer dessus par derrière. Ok, il pose un cas. Il est où celui qui tire dessus? Il est là. Voilà. Alors sachez que cette voiture là, elle est déverrouillée, les gars.
pouvez la prendre. Passer là. On va récupérer notre caisse. Ça glisse. Et là, normalement, on devrait pas tarder à perdre les flics. Après, on sera tranquille, on pourra conduire pépère. Impeccable, on va faire des flics. Alors sachez les gars aussi, quand vous serez, quand vous aurez la réputation de l'autoshop au niveau 10, vous pourrez appeler des mecs du salon auto pour faire distraction. Vous allez perdre les flics facilement. J'ai pété l'enveloppe. Putain, elle est pas très épaisse hein, pour une enveloppe à 800 000 dollars. 810 000 dollars les gars. C'est complètement pété les gars, les contrats en x3. C'est trop bien. Bon, on va se faire la petite bagnole du PNJ là. Qu'est-ce qu'il veut ? Pour la révision, une couleur. Et ça va coûter 35 000 balles quand même de la refaire. Hein. On va la livrer nous-mêmes. Hein. De toute façon, j'ai pas pris de staff et j'en prendrai pas parce que bon, le staff malheureusement il fait n'importe quoi. Allez, Penumbra FF les gars, ça tombe bien qu'on ait celle-là parce que ben, je voulais l'essayer parce qu'elle est en promo cette semaine. Et du coup. Je me tâte. Oh, c'est l'air de marcher correctement en plus. Hein. Et en plus, on va la livrer sans aucune égratignure. Impeccable. 75 000 dollars, les gars. Une livraison comme ça. Crac. Paf. Donc ça aussi, c'est en x3, les gars, cette semaine. Et ça fait super plaisir. Parce que ça, les gars, vous avez vu, ça m'a pris genre 2 minutes. Boum, 75 000 dollars. Enfin, 110 000, mais vu que ça m'a coûté 35 000 pour la préparer. Vous avez compris. 75 000 dollars par bagnole. Bon, alors on est à combien de dollars là? On est à 1 144 000 les gars. Donc c'est plutôt pas mal. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain on fera encore de l'atelier auto. On en fera beaucoup cette semaine. Ah d'ailleurs, putain, j'ai pas fait ma vente d'acide. Il faudra faire la vente d'acide aussi au prochain épisode les gars. Faudra pas oublier. Donc on se retrouve comme d'habitude demain à 18h. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut!